Écran noir. Quand je lis seul, c'est toujours au même endroit. Exactement ici. Un homme s'assoit sur une chaise et installe un casque d'écoute. C'est pas déplaisant d'être seul. Seul avec le personnage, seul avec le lecteur. Puis quelque part avec l'auteur aussi. Une imprimante imprime deux phrases en braille. Je m'appelle Luc Fortin, bientôt la cinquantaine. Je suis aveugle, je suis animateur de radio, je suis papa. J'aime la lecture. Luc Fortin lit un livre et ensuite une citation. Dans la lecture solitaire, l'homme qui se cherche lui-même a quelques chances de se rencontrer. Georges Duhamel. Luc Fortin cherche et s'assoit sur un banc de parc. La lecture? Je me sens pas privé de rien. Parce que l'autre en a pas plus que moi. Il va être dans le parc, il va lire le même livre, il n'y aura pas tout à fait la même compréhension, mais il n'y aura pas davantage. Fait que ça nivelle, et ça, ça me fait du bien. J'aimerais avoir intégré ma cécité qui est là depuis bientôt 30 ans, mais je ne l'ai pas intégré. C'est pas réglé. Je ne sais pas si je vais le régler un jour. Ça évolue. Mais c'est loin d'être réglé. Mais quand je lis, puis quand tu lis, il n'y a pas d'avantage. C'est pas tout à fait la même chose, on n'a pas la même perception. Tu vas avoir une image qui est basée sur ce que tu vois. Je vais avoir une image qui est basée sur ce que je voyais. Il y a 30 ans. Mais en bout de ligne, il n'y a pas d'avantage pour ni l'un ni l'autre. Monsieur Fortin est assis chez lui. Les grands livres que j'ai lus dans ma vie, ce n'est pas nécessairement des Nobel. J'ai essayé 100 ans de solitude, je ne l'ai pas fini. Donc, c'est pas. Sauf peut-être Yasmina Kadra, là, qui est bon, c'est plus universel, plus. C'est pas nécessairement. Étranger. Je l'ai lu une couple de fois, mais on dirait que d'une fois à l'autre, j'aime moins ça. Mais je le relis, donc. Je dois aller chercher quelque chose quand même. Plan rapproché sur Luc Fortin qui lit et semble serein. Je m'appelle Luc Fortin. J'aurai encore 50 ans. J'aime faire l'amour. J'aime marcher dans le bois. J'aime la fondue. J'aime les oiseaux. L'odeur de feu de bois. L'étranger est peut-être un ami que vous ne connaissez pas encore. Anonyme. Portrait de Luc Fortin, réalisé par Youssef Choufane.